J'ai fait un prime incroyable hier soir. Trop bien. Je suis très contente parce que ça monte, ça monte, ça monte et on n'est pas plutôt en train de redescendre. Je sais pas comment vous dire, c'est que je trouve qu'on passe des caps à chaque fois, mais celui-là. Est-ce que c'est l'énergie d'arriver vers la demi-finale? Je ne sais pas. Évidemment, on a une très très forte pensée ce matin pour Lenny. Voilà, on lui envoie plein d'amour. On est très très fiers de son parcours. Oui. Voilà, et on l'aime fort. Sur ce, Axel. J'ai vécu sous des posters à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant te voir apparaître, Marie-Lou. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan. Toujours l'intensité jusqu'à la fin. Axel. J'ai kiffé. Je crois que ça se voit. Au début, j'avais un petit peu peur. Au début de ça, je me suis dit, imagine, t'as pas tes notes. Puis je me suis dit, en fait, non. C'est peut-être ta dernière prestation solo et t'as la chance de faire une chanson que tout le monde connaît. Et mon objectif, c'était de leur faire redécouvrir la chanson avec mon interprétation, la version d'Axel, et leur dire, moi, je viens. Alors, vous la connaissez. Maintenant, je vous propose d'autres choses. Puis je sens qu'au début, je suis un peu plus dans la retenue. Mais en fait, ça va très bien avec la chanson et je pense qu'inconsciemment, c'est ce qui s'est fait. Et puis dès que le refrain arrive, je suis là et je dis en fait, j'existe. J'existe et je vais vous le dire. Genre. Et j'ai kiffé le faire. À la fin, je me suis dit, je pensais à une chose, je me suis dit, il faut que tu descendes les marches sans tomber. Je respire et je me dis, ok. Et là, t'envoies et tu leur montres, ok, j'existe pour ça, parce que c'est ça que je veux faire. Et je kiffe, j'ai trop kiffé. Ah, cool. En fait, il y avait une énergie rock dans ce que tu as proposé, je trouve. Il y avait une bonne énergie, je trouve. Et je pense qu'au début, tu as dû stresser pour les high notes, parce que franchement, elles doivent être hyper dures à placer. Enfin, je pense que j'aurais pas pu les passer, moi, tu vois. Et en vrai, franchement, j'ai senti que même après ça, tu as quand même eu un soulagement et tu as pris les applaudissements du public. Il y avait une bonne énergie, je trouve, dans ce que tu as proposé. C'est intéressant de t'entendre sur ça aussi. C'est fou! Quand je parle de progression, là, c'est pour ça, souvenez-vous toujours quand même d'où on vient. Il faut toujours se souvenir d'où on vient, de toute façon. Et où on est, tu vois. Et où on veut aller, évidemment, mais... Alors, le truc que j'ai adoré, voilà, aussi. Donc, le début, t'es dedans, tu racontes l'histoire comme on s'était dit, comme on avait travaillé. Et dès que ça commence, j'ai adoré ton pied, là. Ça m'a... Bam. Oh là là, c'est ça ce que dit Oshie, le truc rock un peu, tu vois. On a senti le cœur qui bat, tu vois. Et du coup, boum, on est parti avec toi. Voilà, donc super, Axel. Vraiment, super moment dans la foule, avec les danseurs, l'énergie. Ah, super. On a vraiment passé un très, très bon moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez la Starac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À très vite.